Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la lettre de motivation, les différentes étapes que doit contenir une lettre de motivation et les raisons pour lesquelles vous devez faire votre lettre de motivation. Donc, pour ne rien rater, je vous invite à regarder la vidéo vraiment jusqu'à la fin et ensuite de ça, mettez-moi des pouces bleus, des likes pour montrer que vous avez aimé la vidéo. Et si vous êtes nouvelle, pourquoi ne pas vous abonner ici? Je suis Alliance, je suis étudiante au baccalauréat, puis je suis infirmière au Québec. Je suis au Québec, ça va faire bientôt 5 ans, ça fait déjà 5 ans en fait. Et donc, dans ma vie d'étudiante et dans ma vie de travailleuse immigrante, je pense que j'ai quand même un peu d'expertise afin de pouvoir aider des futurs étudiants canadiens ou des futurs étudiants québécois. Donc, sans plus tarder, allons directement au sujet d'aujourd'hui. Donc, premièrement, ça fait quand même pas mal de vidéos que j'ai fait sur les demandes de bourses, sur les bourses gratuites au Canada et dans différentes provinces donc, du Canada en gros. Et je tenais à souligner tout d'abord que c'est très important, une fois de plus, je le redis, que ça va être vraiment, vraiment important de regarder les dates limites des bourses, des demandes de bourses avant qu'il ne soit trop tard. Okay? Les bourses s'affichent et ils partent aussi vite. Donc, n'attendez pas vraiment une fois que vous avez vu qu'il y a une vidéo qui a été publié à ce sujet, allez vraiment dans le lien directement et si possible, postulez, ok? Donc, pourquoi faire une lettre de motivation? Premièrement, la lettre de motivation va vraiment démontrer vos intentions, démontrer votre intérêt à la chose. Ou je sais pas, c'est une bourse, si c'est un contrat de travail, si c'est une job étudiante, ça va comme montrer votre intérêt à obtenir cette chose-là. Si vous voulez obtenir une bourse, donc vous devez, moi je vous recommande vraiment de faire une lettre de motivation. La même chose pour une demande d'admission dans un programme, dans une université. La même chose pour même la demande du permis d'études. Et la même chose aussi, pourquoi pas, pour la demande du certificat de sélection du Québec. Cependant, dans cette vidéo, moi, je vais vraiment vous énoncer les différentes parties que l'on devrait, que l'on doit retrouver dans une lettre de motivation afin de lui donner un peu plus de poids, afin de lui donner un peu plus d'intérêt à la personne, notamment qui va lire votre lettre de motivation. Donc, sans plus tarder, la partie ou l'étape numéro 1 que l'on doit retrouver sur une lettre de motivation, ça va être en premier les coordonnées. Soit de l'université à laquelle vous voulez faire une demande de bourse, ok? Vous devez mettre donc les coordonnées où se trouve l'université, l'adresse, le numéro, c'est une rue, l'adresse postale. C'est très important au Canada ici de savoir les adresses postales parce que si vous voulez envoyer du courrier par la poste, il faut que vous mettiez la bonne adresse postale. Ensuite de ça, ça va être important de spécifier dans quelle province l'université se retrouve. Parce que si vous mettez, par exemple, 1236 de la Ferrière, je sais pas, Canada, c'est pas spécifique, il se pourrait que votre courrier n'arrive jamais à destination parce que l'adresse n'est pas complète. Donc, mettez le numéro de la rue, le nom de la rue, le code postal et ensuite la province. Et à la fin de la province, vous mettez donc Canada, bien évidemment. Si possible aussi, vous pouvez mettre le numéro de téléphone ou l'adresse courriel à laquelle vous avez l'adresse courriel en fait qui a été mis à votre disposition. En deuxième lieu, on doit retrouver vos coordonnées personnelles à vous, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre adresse courriel ou email. Et ensuite de ça, on doit retrouver également votre adresse. Étape numéro 3, on doit démontrer l'objet de la demande, ok? Parce que vous savez, quand vous envoyez une lettre, vous mettez donc la personne à qui vous adressez la lettre. Ensuite de ça, vous mettez l'objet. L'objet peut être demande d'admission, demande de bourse, demande d'entrevue, demande de job, demande de contrat de travail, demande de permis d'études, demande de certificat de sélection du Québec ou demande de certificat de sélection permanente, demande de résidence permanente. Ok, faut vraiment spécifier l'objet de la demande. Ensuite, après l'objet de la demande, en quatrième position, on va retrouver l'objectif de la lettre. L'objectif de la lettre peut être une demande d'admission, une demande de bourse,
une demande de contrat, une demande de contrat de travail, demande de stage, demande de bourse, demande de job étudiant. OK? Donc, une fois vous spécifiez vraiment l'objectif de la demande, de la lettre. En cinquième lieu, c'est la partie la plus importante, vous devez écrire vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive à postuler pour cette bourse? Qu'est-ce qui vous motive à postuler, je sais pas, à ce stage? Qu'est-ce qui vous pousse à postuler à cette job étudiant? Pourquoi avoir choisi cette bourse spécifiquement? Pourquoi avoir choisi ce travail spécifiquement? Pourquoi avoir choisi ce stage, ce job? Pourquoi avoir choisi? OK? Expliquez les raisons. La motivation, en fait, c'est le pourquoi du choix. Ça, c'est dans la partie 5. La partie 6, OK? Excusez-moi de lire, j'ai écrit mes étapes, OK? La partie 6, vous devez expliquer votre parcours. Votre parcours académique, votre parcours en tant qu'employé. En gros, vous décrivez quel a été votre parcours. Vous pouvez aussi décrire vos études antérieures, vos études actuelles, vos expériences de travail, OK? Essayez de vous vendre vraiment plus dans le numéro 6, qui est donc votre parcours. Au niveau du numéro 7, ça va être pourquoi eux. Le pourquoi eux, c'est-à-dire pourquoi avoir choisi cette université, par exemple l'université Laval. Pourquoi avoir choisi l'université Laval? Pourquoi avoir choisi la bourse, par exemple, de l'université de Montréal? Pourquoi avoir choisi, lorsque par exemple vous faites la demande de certificat de sélection du Québec, pourquoi avoir choisi le Québec? OK? Essayez de susciter l'intérêt. Essayez de, je sais pas, manifester votre intérêt en l'expliquant dans le sens où j'ai choisi le Québec parce que c'est une province francophone. En étant francophone, ça va être peut-être plus facile pour moi de m'intégrer parce que j'ai l'amour de la langue française, parce que bien évidemment, j'ai déjà fait des études antérieures en français. Ça va plus faciliter mon cursus. OK? Et aussi, pourquoi? Ben, parce que c'est la seule comme province ultra ou totalement francophone dans tout le Canada. Vous pouvez aussi parler de l'histoire du Québec, nanana, OK? Et donc, en gros, essayez de trouver tous les avantages que vous aurez à postuler dans ce que vous postulez. Par exemple, si c'est le certificat de sélection du Québec, dites les avantages, pourquoi, les raisons pour lesquelles vous ont poussé à vraiment demander le certificat de sélection du Québec, les raisons pour lesquelles vous voulez soit étudier au Québec, soit avoir une bourse au Québec, soit travailler au Québec ou simplement vivre au Québec. Ça, c'est vraiment le numéro 7. En dernier lieu, vous allez clôturer la lettre par soit des remerciements ou simplement dire en espérant une suite favorable à ma demande, veuillez agréer monsieur un tel, mes salutations distinguées, OK? Connaissant toute la fin, toutes et tous la fin de ces lettres. On l'a déjà tout fait, OK? Veuillez agréer madame un tel, nanana, nanana, OK? Donc, en gros, ça, c'était vraiment, moi, les étapes que je mets dans les lettres de motivation, que ce soit quand je postule à un nouveau travail, okay, c'est plus vraiment au niveau du travail, mais ça n'empêche pas de la mettre. En fait, elle s'utilise dans toutes les demandes possibles. Donc, si je récapitule une fois de plus, pour appuyer les différentes demandes que vous faites, que ce soit les demandes de bourse, les demandes d'admission, les demandes de permis d'études, les demandes de certificat de sélection du Québec, n'hésitez pas à faire des lettres de motivation. Et pour recapituler les étapes, donc étape numéro 1, les coordonnées soit de l'université ou soit de l'employeur. En deuxième lieu, vos coordonnées à vous. En troisième lieu, l'objet de la demande. En quatrième lieu, l'objectif de la lettre de motivation. En cinquième lieu, la motivation, donc la raison qui vous pousse à faire telle demande. En sixième lieu, votre parcours, que ce soit académique, professionnel. En septième lieu, ça va être pourquoi avoir choisi tel établissement, pourquoi avoir choisi telle bourse. Et en huitième position, on va vraiment arriver à la clôture de la lettre, soit les salutations ou des espérances positives. Donc voilà.
J'espère que ma vidéo va vous plaire, va vous apporter quelque chose de nouveau, va vous renseigner un peu plus, va vous outiller, tel est mon but, vous rendre autonome dans vos différentes démarches, éclairer quelques points noirs ou apporter plus d'éclaircissement dans les différentes questions que vous vous posez. Si tel est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, mettez-moi des gros pouces bleus, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et sinon on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.